Bonjour, je suis Marina Barovier. Bienvenue dans mon quartier, le quartier d'Olsaduro. Et j'ai épousé un Vénitien appartenant à une célèbre famille d'Ivetra Umoranesi. Je vis ici depuis maintenant assez longtemps et je travaille dans une galerie où nous avons entre autres des verres de Murano. D'abord, j'habitais à San Marco et puis nous avons préféré un endroit plus, disons, plus tranquille, avec de l'air frais. C'est très agréable de vivre ici. Je parle parfaitement le dialecte vénitien, bien que je ne sois pas vénitienne. Mais j'aime beaucoup la vie à Venise. J'aime tout dans cette ville. Venez par ici, on arrive chez moi. Ce qui est intéressant dans ces maisons populaires, ces maisons de l'Antiquité, c'est à cet endroit, il y avait Lo Square, où les navires arrivaient et venaient se restaurer. Et donc ici, c'était les maisons des ouvriers. En fait, elles ont toute une petite marque dessus. Et cette marque permettait de distinguer les maisons entre elles. Celle des ouvriers, des travailleurs, de ce squero. Squero en vénitien signifie un chantier où l'on restaure les bateaux. Après vous. Voici mon chez-moi. J'habite au dernier étage du bâtiment. Voilà, bienvenue chez moi. Ma maison n'est pas typiquement vénitienne. C'est une maison où on trouve un peu d'art, de l'art du siècle dernier notamment. Il y a beaucoup de verreries. Je m'occupe de ça, mon mari s'en occupe aussi. Et nous avons à ce propos écrit de nombreux livres sur les verreries de Murano et nous avons créé un important fichier de toutes ces verreries. Puis on s'occupe aussi beaucoup d'autres collections. Des collections privées, mais aussi celles des musées. Ces verreries ont toutes été créées par l'artiste Zekin, l'artiste qui a aussi peint ces tableaux. Et nous aimons ce style particulier. Toutes ces verreries sont très classiques, mais à la fois presque introuvables. À nouveau des verreries, designées par la manufacture Venigno Baroviere, de dimensions un peu particulières. Elles sont plutôt grandes, ce qui en fait des pièces assez spéciales. Je suis arrivée ici très jeune, et je ne sais pas. Je suis restée ici, je me suis très vite intégrée en fait. Les gens sont très amusants, très sympathiques. Du coup, c'est comme si j'étais née ici. Et puis je vous l'ai dit, je parle parfaitement le vénitien. Donc, voici ma cuisine. Je ne suis pas une grande cuisinière, mais j'ai de quoi faire quelque chose quand même. Ici encore, des verreries. J'aime voir de belles choses en même temps que je travaille à la cuisine. Je travaille beaucoup, mais enfin, quand je peux, quand j'ai le temps. Bon, je ne suis pas une cuisinière très raffinée, mais quand même, un bon plat de pâtes, je sais faire.
À présent, sortons sur la terrasse. Vous verrez ce que l'on voit de chez moi. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette maison, pour la vue. Et c'est ce pourquoi j'ai un peu sacrifié la superficie. De la terrasse, vous pouvez voir la Giudecca, l'église de la Giudecca, San Giorgio, l'île de San Giorgio Maggiore. Cette maison très particulière est surnommée la maison des Tre Occhi, aux trois yeux. Je crois que c'est un spectacle assez impressionnant. Et il y a de beaux jardins. Celui-ci est un jardin datant des années 30, d'un architecte appelé Tommaso Bussi, un architecte italien qui a dessiné ces trois maisons pour d'importantes familles romaines. C'est très spectaculaire, mais c'est aussi un peu nuisible au milieu de la ville avec toute cette fumée et cette pollution. Et aussi parce que les moteurs sont très puissants et les maisons ne sont pas très stables. 5 à 6 bateaux passent comme ça tous les jours et parfois ils sont encore plus gros que ça. Ils sont vraiment impressionnants. C'est un spectacle assez surprenant. 5, 4, 5 chaque jour. Ah oui. Et n'est pas très bien pour la ville parce qu'il y a beaucoup de pollution et aussi les propellers, comment ils s'appellent, les héliques, il fait. Et pour les maisons qui sont ici, c'est un petit problème. Fait comme ça. Hein. Ici, c'est une pièce pour se relaxer, pour lire, regarder la télé, recevoir des amis. C'est très commode et très agréable à regarder aussi, mais c'est surtout très utile. Nous allons maintenant vers la chambre à coucher. Bon, c'est très simple. J'adore acheter toutes ces choses ou aller les acheter dans les galeries. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des peintres italiens des années 30, 50 et celui-ci des années 40. Ici, c'est notre collection de livres sur l'art. Et puis, surprise, un second étage. C'est la chambre de notre fils. À présent, il est marié et donc ça va devenir notre bureau, à mon mari et à moi. Et c'est très petit, mais il y a vraiment une vue extraordinaire, alors. Et voilà, la visite de ma maison est terminée. Eh bien, merci d'être venu chez moi. Ce fut un véritable plaisir de vous rencontrer. J'espère que cette visite vous a plu. Je vais à présent vous emmener à une adresse un petit peu spéciale qui me plaît énormément. C'est situé juste à côté de chez moi. C'est un endroit où l'on peut manger et boire vraiment très très bien, avec une vue toujours incroyable. Excusez-moi.
on a ouvert le 14 juillet 2004. La presa de la Bastille. La presa de la Bastille. Parce que c'est un endroit un petit peu révolutionnaire à Venise. C'est pas la, l'osteria que vous trouvez. C'est un resto avec un design particulier. On a ouvert le 14 juillet 2004. C'est maintenant c'est 4 ans. 4 ans le, la prochaine juillet. Alors, avec Marco, le propriétaire, nous allons boire un petit verre de vin sur la terrasse. La, la chose particulière, c'est que ici, pendant l'été, à 5h, 5h30, 6h, le soleil s'accouche derrière les maisons qui sont ici. Ça veut dire qu'ici, il y a l'ombre. C'est pour ça que j'ai tenu le nom Linea d'ombre. L'ombre, et vous pouvez regarder le coucher de soleil qui va à faire de la lumière sur les églises. Et pour l'apéritif ici, il faut venir à 7h, 7h30 pendant l'été, avant les repas, avant le dîner, et faire un apéritif de demi-heure, une heure, et regarder les églises ici. C'est formidable, selon moi. Ici, pour moi, c'est le plus bel endroit de Venise. Merci encore de votre visite. J'espère que c'était bien. Et santé. Je vous souhaite la bienvenue à Venise dans mon quartier, c'est-à-dire dans mes quartiers, parce que j'habite entre trois quartiers. Là, c'est le quartier de Castello, là, c'est le quartier de Saint-Marc, ici, c'est le quartier de Canareggio. Les Vénitiens, ils devaient amener, quand ils étaient en voyage, ils devaient amener quelque chose de précieux, comme une pierre. Voilà, ils mettaient les pierres dans leur maison comme des bijoux. Mais maintenant, on va voir la cour secrète où habitait, où jouait Casanova. Un mètre cinquante. Comme les ruelles sont très étroites, on se touche presque, il y avait l'habitude de porter le masque. Le masque... On portait le masque pendant 6 mois, on pouvait, on avait droit. Et donc tous les objets représentent encore des masques. Si vous regardez la sonnette, toutes les sonnettes de Venise, c'est des museaux et des yeux, la bouche. Toute cette partie date de 1200. En bas, après, ils ont rajouté. Maintenant, on fait le tour. Il y a d'autres... odeurs, d'autres sons dans cet espace. Maintenant, on prend l'autoroute, on va chez moi. Et Venise est aussi la Venise sombre. Et c'est surtout du Lido. Et un peu décadente, Venise. Mais il y a une vitalité dans cette ville. La vitalité et le rapport qu'on a avec les gens. Alors nous, on n'a pas de boîte aux lettres fermée. On se connaît tous, c'est un village de pêcheurs. Donc il y a un rapport, il n'y a pas de vol ici. Tous les voleurs qui habitaient Castel, mon quartier, maintenant ils vendent des masques, des souvenirs aux touristes. Voilà, il n'y a plus de voleurs vénitiens. C'est-à-dire, ils te vident le portefeuille, mais ils ne volent pas. Ils te le vident, le portefeuille.
c'est là le palais où j'habite. Celui-là au fond, avec les rideaux blancs. Ici, c'est une ville de commerce. Et il y avait, ça c'est le Fondaco dei Tedeschi, c'est-à-dire comme une sorte de couvent. Fondac, c'est un mot arabe. Et ici, tous les Allemands devaient habiter ici, c'est-à-dire les gens du Nord. Après, il y avait Fondaco dei Turchi. Alors les Turcs, il fallait qu'ils habitent dans un autre endroit. Après, il y a les Albanesi, les Espagnols, les Juifs. Venise prenait tout. Alors là, on laisse l'autoroute qui amène de la gare à l'Accademia et on prend le sottoporte, le sous-porte de la Bissa, que c'est le serpent, et c'est un vrai serpent. À côté. Coucou, coucou. Buongiorno. Guarda qua quant'è, se ho fatto giusto. Giusto? Grazie. Senti, c'è ça. Ici, c'est un attrape-migo pour les touristes. Alors attends, je cherche la clé. Là, nous sommes dans la loggia de la maison qui était fermée, ça fait 2 siècles. Il y a une belle lumière qui rentre ici. Regardez les pierres, les grosses pierres qui montaient par les escaliers avec 2 morceaux de lard. Ils mettaient 2 morceaux de lard et ils disaient « Ouh !» et posaient. Alors ça, c'est une terrasse, une terrasse vénitienne, parce qu'il n'y a pas de terrasse à Venise. Il y a des altanas, comme des sortes de navires sur les toits des maisons. Ça, tout ce que j'ai là, c'est des restes, des choses qu'ils jettent, parce que moi, je fais les poubelles. Ça, c'est les poubelles de la Fenice. Ils jetaient ça. Je trouve ça magnifique. Ça aussi, ça vient des poubelles. Du théâtre de la Fenice. Ça, c'est l'espace fumeur, parce que chez moi, on ne boit pas d'alcool et on ne fume pas. Alors les fumeurs et les gens qui aiment boire, ils viennent ici. Il y a seulement de la menthe, des parfums. Menthe tunisienne, marocaine, nana. Nana. Ciboulette. Des plantes parfumées. Là, c'est un temple bouddhiste, disons, mais ce n'est pas ça du tout. C'est un ami artiste qui avait fait une exposition. Donc, il voulait jeter ça. Et moi, je l'ai reconstruit ici chez moi. J'ai mis des plats que j'ai amenés du Vietnam. Et j'utilise, pas pour prier, parce que moi, je ne sais pas prier. Pour moi, la prière, c'est travailler. Ma prière, c'est le travail. Et là, j'ai des objets qui sont cassés, que je faut que je ramène à l'électricien, la machine à coudre. Et en réalité, c'est simplement ça, mais il faut que ça soit beau. La lampe cassée. Voilà, ce long salon
qui existe dans tous les palais vénitiens s'appelle Portego. Le plafond était blanc et ici c'était tout vide parce qu'on n'a pas le droit de jouer au football à Venise, dans les rues. Donc mon mari, qui était entraîneur de foot, entraînait mon fils et ses copains ici. Un jour, mon fils, il a donné un coup de ballon très fort. Il n'a pas tiré à terre. Et il a fait un trou dans le plafond. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y avait des poutres sublimes du 16e, 15e siècle. Donc, voilà. Et tout arrive par hasard dans la vie. Il faut profiter. Alors là, vous voyez, ici, c'est le point. Il y a trois canaux. Rio de la Posta, Rio del Malibran. Et ici, c'est le centre-ville, le nombril de la ville, ici, qui partage les trois quartiers de Venise. Là, c'est San Marco. Ici, c'est le quartier du Castello, qui est l'arsenal, parce que c'était le seul endroit fortifié. Et là, c'est Canareggio, Canale Reggio. Là, c'est l'espace écriture. Il y a des femmes nues à la place Saint-Marc. À 4h du matin. Après, il y avait les flics qui sont venus. Et ils ont dit, est-ce que vous avez une permission? On a donné une chose en anglais. Ils ont regardé. Après, les filles ont dit, hello, how are you, hello. Et là, c'est fini. Voilà, là, nous sommes... Là, c'est le Rio del Piombo. Là, c'était le dépôt, un dépôt de neige. Et tout est vide à l'intérieur. Et maintenant, c'est un dépôt de frigidaire. Seulement les derniers étages sont habités. Là, à l'intérieur, tout est vide. Ça date de 1500. Là, c'est les tissus, là où j'ai fait des sacs, des vêtements. Bon, le style Bronx, dentelle du Bronx. Et là, c'est le lit de mon fils. Et comme il va venir dans quelques jours, j'ai préparé son nounours. Mais aussi un serpent, parce qu'il ne va pas venir tout seul. Pronto? Ciao Gianna, come stai? Sì, va bene. Ciao ciao. Voilà, ça c'est la cuisine qui était la chapelle du palais. Parce que les vieux... Les vieux de la maison habitaient au dernier, à cet étage-là. Ils ne bougeaient pas de leur chambre. Et là, c'est un lustre que j'ai fait avec toutes les lettres qui arrivent et qui sont renvoyées. Il y a la bonne adresse. Et des amis m'écrivent, mais Fiora, tu as déménagé? Non, j'habite là. Alors j'ai commencé à mettre toutes les lettres qui arrivent un peu étranges. Il y a une Sanglio, qui n'est pas une adresse. Il y en a une Fiora Gandolfi Venezia. Ils ont écrit là. Là, ils ont fait l'itinéraire. San Bartolomeo, sotto portico della vista, ils ont fait le chemin pour venir. Fiora, 5990, Venise. Non, mais c'est vraiment une ville. Moi, j'ai commencé à mettre là les lettres parce qu'il me disait que j'ai inventé ça. Non, non, c'est la vérité pure. Oui. Toutes les portes sont peintes. Et là, c'est la pièce pour la télévision. Et pour moi, les meubles, c'est comme des peintures ou comme des sculptures. Alors, j'ai fait cette sculpture où on est bien, on ne voit pas les taches en plus, mais on est à l'aise, on peut s'asseoir, parce que la maison, il faut que ça soit confortable
qu'on ne se sent pas figé, bloqué. Là aussi, c'était une armoire de vieux curés que j'ai acheté au puce. On voit d'ailleurs l'horreur. Bonjour, tristesse. Alors, je veux faire par mes enfants, parce que les enfants aussi doivent travailler, apprendre à faire avec les mains. Ils ont mis des morceaux de tissu que j'avais, voilà. Et là, c'est ma collection que j'utilise. Parce que les superflus est l'indispensable. Ici, c'est pour écrire. Donc, quand on écrit ici, comme ça fait un peu comme si on écoutait du Mozart. Toutes les lignes s'unissent, tout est tendre. Et donc, on ne fait pas de rature si on écrit ici. On pense qu'on fait un chef-d'œuvre. Ce n'est pas vrai, mais on a cette sensation. Choupitounet arrive. Hein, Choupitou ? Et ça, c'est des tapis du désert. Donc, c'est d'Algérie, Tunisie, Maroc, ils sont tous pareils. Il n'y a pas de frontières, heureusement. Oui, parce que cette chambre est elle est très silencieuse et la plus sombre de la maison. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des couleurs assez fortes. Et j'ai voulu faire des racines. Parce que moi, j'aime dormir protégée dans un endroit protégé, mais aussi il y a des étoiles partout. Alors, c'est les symboles toujours de la vie, les étoiles, la lune, c'est ça, la couleur. On ira à San Giovanni Paolo, qui est une place très ancienne, où il y a un petit café que j'aime bien, parce qu'il y a l'eau, l'architecture, la sculpture, toute la beauté. Toutes les beautés du monde. On amène aussi des cerises et des fraises pour le voyage. On va essayer s'il marche, et il marche très bien, il marche trop bien celui-là. Ça. Non, je ne veux pas le perdre. Voilà. Ah, moi, je m'assois là parce que je suis calme. Le téléphone ne sonne pas. J'amène mes cerises. Belle tâche. Egregio signore mio, mi permetto di mandarle questo messaggio. Ici, il y a tout. Alors, il y a l'architecture, gothique, renaissance, il y a l'eau, il y a la terre, il y a le ciel. Il y a aussi le passage de la vie, parce que c'est une place qui est entre la maison des fous, là, l'école, et aussi une maison de retraite. Donc, souvent, les enfants viennent chercher leurs parents qui sont très, très vieux, ils les amènent ici, promener. Donc, c'est tout la vie qui passe ici. Ciao, à presto.
Bonjour, je suis Claudio. Voilà, moi je suis Paolo. Oui, on vient. Et on est juste dans le quartier où on habite, qui s'appelle San Paolo, et on est devant l'église basilique des Frari. Là, vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu mouillé, on dit, et surtout, il y a dans les canaux que le niveau d'eau, ça monte. C'est la marée, finalement, qui va monter. C'est un peu une jouette pour la saison, mais aujourd'hui, c'est très haut. Mais c'est bien d'un côté, parce que ça donne encore plus l'esprit vénitien qu'on a Venise dans l'eau. C'est un des quartiers encore le plus habité par des Vénitiens vrais. Il y a aussi des grands monuments dans ces quartiers-là aussi. Mais et vous voyez, dans les rues comme ça, où on passe maintenant, il n'y a pas les grands foules de tourisme qu'on pourrait voir à côté de l'Académie, à Rialto, à Saint-Marc, etc. On a une galerie d'art qui est dans un autre quartier de l'Académie et on s'occupe d'art contemporain, finalement. Et dans une ville comme Venise, c'est ce qu'on peut faire vraiment comme la meilleure soie du travail. Là, c'est la sortie des cols, donc c'est le quartier vivant, vous voyez, et vivable de Venise. Nous, on habite dans un quartier qui est un peu lié à notre travail, dans le sens que dans le même quartier où on habite nous maintenant, habitait Aldo Manunzio, le premier imprimeur de l'histoire, on pourrait dire, et de toute façon le plus important pour Venise et pour l'Italie. Et il y a encore sa maison à côté de chez nous. Pour arriver, il faut entrer dans une petite ruelle très étroite, comme vous verrez, qui s'appelle Cala del Pistor. Pistor, ça veut dire en vénitien boulanger. Et ici, il y a encore un vieux boulanger qui continue son activité ici. Là, on tourne encore. Donc, nous, on habite dans cet immeuble rouge qui, selon les documents qu'on a, la première fondation, ça date du 14e. Et sur le canal, dans le côté canal, il y a en effet un aspect gothique, typiquement gothique. Alors, on habite dans cet immeuble, au troisième étage. C'est donc, voyez, un escalier qui ça date du 15e, 16e siècle. Ça donne dans un petit cour à l'intérieur, voyez. À l'origine, peut-être que tous les escaliers, les plafonds, il avait des fresques, mais au début du siècle, du 20e siècle, finalement, il y a eu des restaurations, il a tout disparu et, tout, et c'était fait tout blanc. Merci. Là, on entre. Bonjour. Et il y a encore des habitants de l'appartement. Nous voilà chez nous. Alors, là, c'est une maison que nous on habite à partir de 18 ans. Et c'est une maison que on est tombé tout de suite amoureux parce que l'espace, on trouvait que c'était magnifique, ça reprend la maison vénitienne, le contexte du salon et du chambre à droite à gauche. Buoni! Qu'ils habitent ici. Buoni! Voilà. Basta! Ils ont vu quelque chose d'étrange. Stella? Voilà. Voilà. Donc, en haut, nous, on a mis une petite galerie de portraits. Donc, portrait moderne, mais mélangé avec des
tableaux anciens. On n'a pas l'esprit de collectionneur, finalement. On a l'esprit de prendre ce qu'on aime et le mettre à l'hasard dans la maison. Oh, ici, on rentre dans le domaine de Claudio. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on voit dans la verrerie, on dirait, de Murano, et pas seulement de Murano, c'est quelque chose qu'il lui aime beaucoup et qu'il fait la collection des pièces importantes, anciennes et modernes, mais la plupart sont des pièces uniques. Donc, ce n'est pas la verrerie normale qu'on trouve dans les boutiques, mais ce sont vraiment des pièces choisies. Je ne sais pas comment l'appeler, comme un des fauteuils, que c'est intéressant parce que cela, c'est 1814-1815, c'est un Biedermeier, voilà. Donc, on a mis un Biedermeier à côté d'un jukebox. Vous voyez, toujours dans l'esprit du mélange. Stella. Viens. Stella, la mia viens. Stella. La mia Stella. Stella che sì. Dai. Stai di là. Vai di là. Certaines fêtes, certaines rencontres d'artistes, on préfère les faire à la maison plutôt qu'à la galerie. Donc à la galerie, c'est le moment officiel, social, où on invite tous ceux qui sont intéressés. Au paravento, comment on dit paravento? Stella. Passer dans une autre pièce de la maison, qui c'est la pièce finalement qu'on habite plus. Voilà. C'est notre salon, c'est celle qu'on vive d'habitude et où on passe le temps qu'on est. Les dîners avec les amis, donc ça passe ici. On ouvre la table ici et pour 8, 10, 12 personnes, c'est ici qu'on fait les dîners. Alors, on va passer dans l'autre pièce, que c'est la cuisine, qui encore, c'est encore plus une pièce qu'on habite, on habite beaucoup. Parce que finalement, quand on est là, les soirs, c'est bien aussi, surtout dans ces saisons-là, qui va commencer la bonne saison, être dans la cuisine, parce qu'on a une petite terrasse qui nous ouvre vraiment à l'extérieur. La cuisine avec la terrasse à Venise, c'est un peu un privilège. Donc c'est pour ça que ça marche bien la chose. Parce que cuisine, table et terrasse, c'est important parce que ça donne déjà un paysage qu'on voit au fond l'église des Frari. Et ça nous permet d'avoir une lumière à l'intérieur et de garder un petit jardin, même si c'est vraiment petit, à l'extérieur. Pour moi, que je viens de la campagne, ça me donne un peu une liaison avec mes racines. La ville, et surtout que pour faire ce travail-là, c'était très difficile dans la Provence, travailler dans l'art et tout. Que par contre, Venise, ça donne la possibilité de faire ce travail. Maintenant, il y a tous les monde de l'Est qui vient à Venise parce qu'ils ont ouvert les frontières il y a quelques années. Avant, ils ne pouvaient pas venir. Voilà, donc on entre dans la partie gauche de la maison où il y a les chambres. Cela, c'est ma chambre. Il est plein de choses parce que, et comme je dis avant, sont tous mis un peu une à côté de l'autre, sans aucun ordre. Mais de toute façon, chaque chose pour moi, il prend un esprit, une histoire, quelque chose. Il y a beaucoup de portraits à moi, qui sont tous les artistes qui travaillent avec nous, et souvent, moi ou eux, moi, je propose c'est son côté narcissique. De moi faire parce les portraits. Moi, je n'ai pas tout ça. Donc, oui, c'est lui qui fait confiance. Il aime bien me faire les portraits. Voilà. Non, c'est toi que tu demandes que tu aimes d'avoir des portraits. Voilà. C'est plein de portraits de Claudio.
Bon, nous voici dans ma chambre, un peu différent par rapport à ce qu'on a vu de Claudio. Donc, justement, chacun a ses goûts. Toujours des artistes à nous, donc un ange, par exemple. Ça, c'est Tiepolo qui revient. Donc, Tiepolo, c'est vraiment, à part qu'il est vénitien, mais c'est vraiment un graveur très important. Il est toujours à la base de tous les graveurs, je crois, le travail de Tiepolo. Voilà, donc on sort par ici. On sort comme au théâtre, non, d'une pièce à l'autre, d'une partie à l'autre, et on continue notre travail, notre discours sur la maison. Donc voilà, on va monter dans l'autre partie de la maison. Il y a cet escalier qu'on a fait construire. Il a un gardien, voyez là. Et nous voilà, encore la scène du théâtre. On a des amis qui viennent à Venise et tout, on aime bien les recevoir et finalement ils habitent chez nous et on a ces parties de la maison que d'habitude nous on n'utilise pas et on donne à les amis parce que finalement il y a la chambre, la salle de bain, la terrasse, la bibliothèque, il peut vivre tranquillement dans notre maison, voilà. On est sous les toits et finalement c'est très, on croit très agréable. On voit palais, pont, canal, gens qui passent. Still. Et on a encore une autre terrasse qui se donne dans l'autre partie de la maison. Voilà, on dit rien. Là, c'est l'autre petite terrasse qu'on a. Et là, on dirait vraiment qu'on habite les toits de Venise, vous voyez. Et on dirait aussi qu'on est dans une île parce qu'autour de nous, on ne voit que de l'eau. Donc à droite, au centre, à gauche, c'est un carrefour d'eau. Et nous, on est au troisième, quatrième étage. Et tous les toits autour de nous. Allez, on y va. On y va. Allez. Plaisir de vous montrer notre maison et on a aussi un grand plaisir de vous montrer un restaurant à côté de chez nous qui s'appelle Da Fiore et c'est juste à côté de chez nous. Si vous voulez nous suivre, on y va. Bon, alors tout près d'ici, il y a un petit restaurant et on voulait vous accompagner pour voir. Vous voyez, les petites ruelles de Venise, c'est vraiment très étroite, donc il faut faire attention. Là, on doit attendre un petit peu stop, parce qu'il y a un... Vous voyez, ça, c'est la vie quotidienne de Venise. Ah oui, on est un peu... Il y a l'eau qui va monter et on la voit parce que maintenant il est juste au niveau de la rue et peut-être qu'il va monter encore plus et dans quelques minutes peut-être qu'on ne va pas, ici non, mais au fond on ne va pas passer parce qu'il y a l'eau qui est en train de monter. Bonjour. Bonjour. Passiamo dentro. Prego. Grazie. Voici, ici on est chez Fiore, restaurant Da Fiore, vini Da Fiore. Voilà. C'est un des restaurants du quartier, et pas seulement du quartier, de Venise, les plus connus. Voilà. Et nous, on est là et maintenant on va dans la salle. Ce qu'il faut voir absolument, c'est la petite terrasse.
Alors là, c'est bien arriver dans la terrasse parce que justement, on est sur le canal, sous l'eau, sous un palais magnifique qui est en face. Et au fond, on a les Frari, parce que c'est la tour du Frari, si on voit. Et on se regarde sous la droite. On est chez nous. Quand on sort de Venise, par exemple, un jour, parce que moi, je suis pas vénitien, je suis d'une ville à côté 100 km. Et quand je vais pour un jour et je reviens, alors quand je reviens, je sors de la gare, j'arrive et j'ai l'eau tout de suite, alors j'entre dans l'esprit vénitien, que c'est tout un autre monde. Et là, il faut oublier ce qu'il y a ailleurs et entrer dans cet esprit que on peut penser un peu, c'est un esprit du théâtre, un peu un esprit de la comédie finalement. Parce Mais, que... Et il faut dire que ce que nous on voit aujourd'hui, que vous êtes en train de regarder, c'est pas la Venise connue. La Venise des touristes, je veux dire. Et ce n'est pas la Venise du grand tourisme, voilà. Parce que, bon, comme les restaurants, notre maison, l'endroit qu'on voit ici, on dit que le grand tourisme ne veut pas voir ça. Volete entrare un attimo in cucina? Un po' di